Coucou les filles, donc aujourd'hui nous sommes vendredi 20 avril et donc c'est le grand jour demain. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vlogger un peu les préparatifs de ma journée, etc. Je vous prends assez tard, désolée, parce qu'en fait je suis réveillée depuis 6h du matin, j'y pense. Et impossible de me rendormir, je suis excitée et tout. Le stress, ça passe, hein, parce que ça passe. Mais je suis excitée et tout, j'ai hâte d'être... En fait, cette journée déjà, j'étais hâte et d'être ce soir pour installer tout. Donc, on a la clé à 18h et donc on va installer tout avec ma belle famille, essayer enfin, les cousins de mon chéri et tout. Et donc là, il est 13h, je reviens en fait tout simplement des ongles. Donc, j'ai fait ça. C'est du blanc avec des paillettes là et puis rose au niveau de l'annulaire pour rester dans mon thème. Et j'ai donc trois strass comme ça. Donc ça vaut 15 euros en semi-permanent chez une chinoise qui est pas loin de chez moi. Du coup ça vaut vachement le coup. Et donc au niveau de l'épilation, j'ai fait l'épilation des cuisses. Mais franchement, j'ai eu super mal. D'habitude, non, bah je sens que les poils ça tire, voilà, mais ça va. Et là, c'était mais atroce. En fait, je sais pas si le produit, elle m'a dit qu'il était tout nouveau. Et donc peut-être que c'était pour ça, il avait pas fait son temps avec les gens. Mais là, c'était une catastrophe. Ça m'arrachait la peau. Comme si je me le faisais moi-même à la maison. Parce que moi, j'arrive jamais à me faire la cire moi-même à la maison. Quand j'en achète et tout, c'est une cata, je m'arrache la peau et tout. Et là, ça faisait pareil. Rien que le roll-on pour mettre la cire sur ma jambe, ça m'arrachait la peau. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu ou si c'est parce que je suis encore plus sensible. En tout cas, ça m'a tué l'intérieur d'une cuisse où j'avais des vergetures, même si elles étaient plus claires. Enfin, elles restent encore un petit peu rosées quand même au niveau des cuisses. Sinon, elles sont blanches partout. Mais du coup, je pense que pourtant, ça fait 18 mois que j'ai accouché. Et j'ai un gros truc comme ça, rouge, au niveau d'une vergeture sur une cuisse, à l'intérieur d'une cuisse. Catastrophique, et là je sens j'ai un peu mal, et quand elle m'a passé la crème à la fin ça me faisait mal aussi, enfin donc je sais pas si c'est parce que je suis trop sensible, mais sinon en tout cas au niveau sur les cuisses, le derrière et tout, ouais ça me faisait mal son truc là, ça me collait la peau. Pourtant j'ai déjà été deux fois chez elle et ça avait été nickel, mais bon je sais pas. Donc voilà, donc le programme là, je vais donner à manger à bébé, je vais manger aussi parce que j'ai super faim. Ensuite elle fera une sieste. Hier elle a fait une sieste de 1h15 avant que j'aille bosser. Et du coup donc c'était cool parce qu'on la rattrape un petit peu parce que ça fait 3 nuits là où elle se réveille à. Donc la première nuit elle s'est réveillée à 5h40 en hurlant, après 3h40 et ensuite 1h30 du matin. Donc là c'est bon hein, vu qu'elle a fait sa sieste hier, du coup cette nuit elle a fait une 21h30 à 9h moins le quart. Et là par contre on verra, elle me sort tout le frigo. Et donc du coup là je vais la coucher, je vais essayer de la coucher avant 14h, mais du coup on est rentré tard, là il est 13h. Mais à 14h pile, c'est sûr qu'elle sera couchée, parce que en général ça tournait vers 14h30. Mais j'essaie de la coucher plus tôt parce que du coup je partais après bosser ou tout ça. Donc, oh là là, tu m'as renversé ta viande. Donc du coup cet après-midi, il faut chercher. Là le chéri est parti chercher le lit parapluie chez ma grand-mère pour ma fille pour justement demain soir. Et puis ensuite sa cafetière, tout le café qu'elle avait pris, les filtres. Moi, bah, j'ai ma cafetière aussi à prendre. Et du coup, vers 5h, elle est en train de manger le poulet. Donc de toute façon, t'as raison, c'était pour toi ce midi. C'est beau? Maman va faire chauffer le reste. Je sais pas ce que je te fais là du coup. Donc du coup, elle est partie chercher ça et 12 packs d'eau. Et ensuite, moi cet après-midi, bah non, il viendra pas. De toute façon, parce que je vais prendre... Je vais mettre tout, bah du coup il restera avec la petite parce que je vais mettre tout dans ma voiture, côté passager et côté arrière. J'ai 15 bouteilles de vin rouge à prendre, 20 bouteilles de rosé. En plus il y a une promo actuellement sur des bouteilles qui valent un peu plus cher que d'habitude, donc je pense meilleur. Et du coup ça fait même gagner 13 euros sur les promos qu'il y a actuellement. Bonne. Et du coup bah voilà en fait ça plus apéritif et je sais plus 9 ou 10 bouteilles d'autres choses. Pour l'apéro, peut-être un peu de vodka quand même. Là, il y a pas mal de mon beau-frère, mes beaux cousins qui ont pris du whisky, pas mal. Mais moi, j'aime pas ça, whisky. Du coup, vodka, je préfère. Donc, je vais voir si je prends deux bouteilles, quoi. Je vais pas prendre 10 bouteilles pour. On va pas prendre un alcool pour tout le monde de chaque, enfin pour chaque personne. Mais voilà, je vais voir un petit peu. Sinon, j'avais prévu du Malibu Coco. Et puis voilà, normalement, on avait dit pas de gros alcool fort, mais. Voilà, on va voir. Donc, du coup, voilà, le programme est assez chargé. Et vers 17h, du coup, il y a mon beau-frère, un cousin, mon chéri qui vient pour embarquer tout ce que j'ai, je vais vous montrer.
Du coup, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle. De toute façon, le vlog, il sera pas énormément super long parce que je vais vous montrer après, vite fait, en musique, je pense, les préparatifs ou tout ça. Donc, il y a encore les volets fermés pour la chaleur. Tout là, je sais pas si vous allez voir, enfin, tout ce qu'il y a là, là, il y a les poissons et tout. Enfin, bref, j'ai tout ça à mettre dans les voitures. Il y a le sac de bébé aussi qu'il faut que je prépare pour rien oublier, les choses du jour même, ce qui est alliance, bulle, livret de messe et tout, clé USB, enfin bref. Il y a pas mal de choses à pas oublier là, donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai hâte d'être ce soir pour préparer la salle. Et donc je vous retrouve bah, certainement, je sais pas, certainement justement bah, au moment de me préparer ou tout ça, on verra bien. Bon, coucou les filles, donc je suis juste épuisée, il fait super chaud. Donc il est 17h23 et donc c'est parti, on a tout chargé dans les voitures et tout, on a de la main d'œuvre. Et donc c'est parti direction la salle. Moi j'ai juste ce qui est hélium, chips, j'ai quelques bouteilles. J'ai la Smirnoff que j'ai trouvée, donc je suis trop contente. Et voilà quoi, apéritif. Donc voilà, bébé est prête, mon heure de choix vient de goûter aussi, puis c'est parti. I made room for you in here, a place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here. I told you that I loved you, you said you couldn't love me. My chest, it hit the minuit, nous sommes rentrés à 23h30, j'espère que ce mini vlog des préparatifs vous a plu, ça rentre trop bien, donc je suis trop excitée, j'ai trop hâte, je vais pas réussir à dormir mais je suis un petit peu KO et en même temps excitée parce que bah, j'y cours partout, j'ai mal aux pieds, mais voilà parce que tout était dans ma tête, donc voilà pour mettre toutes les décos, donc je suis assez fière, donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà ça reste du simple niveau, c'est plastique, etc. Mais enfin, je trouve que ça rend trop bien, c'est vraiment très mignon, pas trop chargé, enfin parfait je trouve. Donc je suis contente. Et puis bah voilà, bébé était couché à 23h30, du coup elle s'est endormie directement. Et je lui ferai son bain demain matin. Et puis donc ça va être chargé, demain matin il faut aller chercher les gâteaux, mon bouquet de fleurs, reprendre du papier toilette, du thé vert et ma cafetière que j'ai oubliée là pour la prendre. Et puis voilà, donc ça va être chargé, le midi il faut que bah, je donne à manger à bébé, moi si je mange pas c'est pas grave, mais je donne à manger au bébé. D'ailleurs ce soir j'ai pas mangé, j'ai mangé 3 ou 4 petits cœurs au chocolat que j'ai mis un peu sur, bah, qui étaient dans les dragées mais il m'en restait trop, donc je les ai mis un peu sur le candy bar, comme vous verrez de toute façon, comme vous avez vu avant. Et du coup j'en ai grignoté quelques-uns, d'ailleurs peut-être que je vais en grignoter, et encore ça m'a un peu coupé la faim là depuis, à force de pas manger. Donc du coup parce que le chéri a fait pause manger avec ses cousins, mais moi je suis restée avec ma belle-mère à découvrir tout, toute la salle parce qu'il y avait du boulot et pour pas rentrer encore plus tard parce que déjà on est rentré à 23h30. Bref, je parle trop, je suis excitée et tout, je vais aller me doucher, faut que justement je lave mes cheveux, ils sont caca là et puis comme ça que ça les rende plus doux. Demain donc du coup quand je donnerai à manger à bébé, il faut que je fasse son bain aussi, que je la prépare. J'espère qu'elle va me faire une sieste vers 13h. Comme hier, mais vu qu'elle s'est couchée tard, elle risque de se lever à 10h. Et quand c'est à 10h, c'est mort pour la coucher à 13h. Donc bon. Mais bon, en ce moment, quand elle fait des siestes d'1h, après elle est exécrable parce que, je sais pas, elle a pas assez dormi. Quand elle fait des petites siestes d'1h, du coup, elle a un mauvais caractère.
Donc bon, on verra, sinon peut-être que bah dormira mieux le soir malgré le bruit, j'ai un lit parapluie. On verra. Donc du coup ce vlog-là, je sais même pas s'il sera posté bien samedi midi, le jour du mariage, ou le dimanche. Voilà, mais de toute façon vous aurez un vlog ou qu'une vidéo de photos, je sais pas, qui arrivera prochainement d'ici à ce que j'ai reçu toutes les photos de tout le monde, bien sûr. Parce que j'ai 4 personnes qui vont faire les photos. Donc voilà, j'ai explosé. Du coup j'ai plus peur, ça va être pour me boucler les cheveux et tout, parce que c'est assez long, maquiller, parce que je vais transpirer, il va faire chaud. Mais bon, tant mieux qu'il fasse chaud, mais en même temps, de toute façon, je vais prendre un sac avec mon maquillage pour me remettre un peu en voiture après l'église, et puis après les photos, et puis voilà. Donc j'ai un petit ruban aussi, il faut que je décore la voiture vite fait demain, mais c'est juste mon beau-père qui va la prendre avec ma fille pour transporter, et moi avec le chéri, on va monter dans une voiture plus grande et plus belle, qui est de ma tante. Donc voilà. Donc du coup bah, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé des décos et si ça peut vous donner des idées, c'est plutôt chouette. Là donc à vrai dire on est 67 personnes à manger, voilà. Donc voilà ce que ça a donné et je trouve ça très mignon, il y a un petit bar, je sais même pas si j'ai filmé le petit bar, mais bref, je trouve ça trop bien organisé. Donc voilà, ça va être la course, 15h mairie, 16h église. Ensuite, le jour même aussi, j'ai des enveloppes à prendre pour le DJ, le pain à acheter. J'ai tous les livrets de messe, les bulles, c'est les choses de dernier moment, les clés USB, les haut-parleurs pour les chansons à l'église. Donc du coup, c'est vraiment les petites choses à prendre le jour même. Donc j'espère rien oublier. Et puis ensuite, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a 4 minutes que je parle. Vous avez l'habitude. Ensuite, après l'église, on va donc faire les photos dans la ville où il y a la salle et puis dans un genre de parc. Et je pense que ça durera 1 heure et vers 6h30, 7h, voilà. Mais vos parents vont partir en premier pour aller chercher le pain et préparer tout ce qui est gâteau apéro à ouvrir et donc les bonbons aussi à ouvrir parce qu'on les a pas ouverts, du candy bar. Donc, comme ça fait une déco et c'est dès le début. Et après, on remettra d'autres bonbons pour le moment du gâteau. Et puis allumer les petites bougies qu'il y a sur les tables. Et il y a une guirlande lumineuse et ma fameuse lightbox aussi. Donc voilà, tout ça c'est au dernier moment. Et puis ensuite les invités rentreront, etc. Enfin bref, c'est chargé. Donc je vous fais des gros bisous et j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis bah moi je vous retrouve de toute façon sûrement sur Instagram le jour même. Non, pas le jour même, le soir même, juste le dimanche. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vais bien profiter, je suis contente. Du coup, je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai trouvé de la Smirnoff, ça j'adore ça. Donc du coup, je l'ai trouvé, j'en ai pris un petit peu. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.